Hello, je pense que je suis en direct. J'espère que vous allez bien. Et nous voilà ici pour ce mini-cours pour savoir comment trouver ta mission de vie et comment oser vivre et oser en vivre. J'ai eu mon parcours tout particulier avec cette question où je me suis toujours posé la question d'être jeune, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais ici? Je me sentais, et peut-être je raconte ça ici, parce que peut-être toi, tu t'es toujours senti dans la vie un peu comme un cheveu dans la soupe. Tu t'es peut-être même demandé, qu'est-ce que je fais dans cette famille? Comment est-ce que je suis née là-dedans? Et peut-être pas. Ça dépend pourquoi en fait tu es vraiment venu. Mais les choses que tu as pu expérimenter dans la vie, j'ai oublié de couper mon téléphone, on va le faire tout de suite. Yes. Voilà. Les choses que tu as pu vivre dans ta vie qui ont peut-être été traumatiques et douloureuses ont dirigé ta recherche du bonheur dans une certaine direction, où ils ont accéléré. Souvent, quand les choses ne vont pas bien, on va, ou toujours, on va chercher comment je vais sortir de cette situation, quelle solution je peux trouver, parce que là, je me sens agressée, ou je me sens meurtrie, je me sens quelque part une victime, je suis peut-être pas dans ma force. On en a parlé beaucoup hier, et je vais voir, en fait, si je suis capable de voir des commentaires. Voyons voir. Voilà. Oui, parce que cette nouvelle fonction de Facebook, je dois m'y habituer. Je fais ça toujours avec Zoom. Bon, je suppose que je peux voir vous. Si vous êtes là et que vous me voyez, je vois qu'il y a deux spectateurs. Mettez un commentaire, comme ça, moi, je vois si, en fait, je vois vos commentaires. Donc, cette recherche, cette soif de l'intérieur, c'est comme ce que j'appelle ça, le toc-toc de l'intérieur qui dit réveille-toi, t'es pas dans la bonne direction là, tu cherches quelque chose, tu sais pas ce que tu cherches. Et en fait, un signe pour savoir que tu n'es pas sur ton chemin de vie ou tu ne fais pas dans la vie ce que tu es venu faire, c'est que tu vas te sentir mal et tout va être lourd. Et à l'intérieur, quelque chose te pousse ou te tire, quelque chose, tu sens comme si c'était pas aligné. Un grand signe de ça aussi, c'est que tu n'as pas l'énergie qu'il faut ou que tu aimerais avoir à ta disposition. Alors maintenant, tu vas peut-être me dire, oui, mais moi, je suis malade, j'ai une petite santé. Eh bien, le corps est aussi, et c'est le corps est la première chose que tu as en contact avec ton âme. Le corps est ce miroir, le corps est cet être qui parle, qui exprime. Eh bien, ça, c'est le langage qu'on ne nous a pas appris. On nous a appris à écouter les paroles de quelqu'un, on nous a appris à lire et à écrire. Mais qu'en est-il de ce langage sacré du corps? Donc, si ton corps, il parle, est-ce que tu l'as écouté? Ou est-ce que tu l'as étouffé? Est-ce que tu t'es dit, je comprends rien ici, je vais chez un médecin, je vais chez un guérisseur, je vais chez nanana. Si cette personne chez qui tu as été pour chercher de l'aide a dit, ok, je te donne une petite pilule, comme ça t'as plus mal, elle t'a pas aidé. Si tu as été chez quelqu'un qui t'a dit, regarde ça, change ça dans ta vie, alors il t'a certainement aidé. Donc sur ce chemin de pouvoir comprendre ton corps, tu vas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations pour pouvoir te diriger dans la bonne direction. Parce qu'en fait, la bonne direction et l'endroit où tu es aligné, l'endroit où tu es dans ta mission de vie, tu le connais. Cet endroit-là, c'est quand tu nages dans le bonheur. Dans le bonheur, pas dépendant des circonstances. Donc, je peux très bien vivre des contradictions ou vivre, comment on appelle ça, des contrariétés, tout en sachant, ok,
C'est quelque chose qui est sur mon chemin parce qu'il y a quelque chose que je dois apprendre. C'est une approche bien différente, mais parce que je sais comment je me sens quand je suis alignée, je connais mon énergie. À ce moment-là, moi, je peux savoir que je suis sur mon chemin de vie parce que je sais parfaitement comment je me sens quand je suis dessus que quand je n'y suis pas. Et alors, l'autre, et dites-moi un peu dans les commentaires si vous avez des questions, si ce que je dis ici fait un sens pour toi. Ouais, donc tu as à l'intérieur une boussole. Ton corps est une magnifique boussole. Est-ce que tu as utilisé cette boussole? Ou est-ce que tu t'es dit, je ne veux pas sentir ça, je vais, en fait, comment on dit ça en français, anesthésier tous les symptômes. Bien sûr, on peut aller, enfin, ça va dépasser ici mes compétences. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Par exemple, les douleurs. Les douleurs, je viens de regarder une vidéo du Sadhguru qui dit les douleurs sont une fonction humaine de survie. Et donc, les douleurs, c'est bien. Il a dit une différence entre la douleur et la souffrance. La souffrance, c'est un truc que tu répètes dans ta tête, c'est un choix. Et donc, il y a des personnes chez qui tu vas pouvoir, avec qui tu vas pouvoir travailler, qui, quand tu as quelque chose, quand ton corps parle avec son langage sacré, qui vont pouvoir décoder et t'aider à le comprendre au lieu de anesthésier. Donc, si tu as cette boussole qui est ton corps, ouais, et si tu as plein d'énergie et que tu es, comme j'ai expliqué hier dans le webinaire, si tu n'as pas regardé sur la confiance en soi, c'est un peu le plateau de base, c'est la base avec quoi tu construis ta confiance en soi, tu vas pouvoir t'aventurer dans des endroits dans ta vie, sortir de ta zone de confort, aller dans cette zone de inconfort, cette zone de transition, pour arriver dans la zone où tu es dans cet endroit de mission de vie. Ouais, tu as trois zones. La zone de confort, cette zone où tu es dans tes habitudes, tu fonctionnes en autopilote, la plupart du temps inconscient, et selon comment tu as été programmé, comment tu t'es programmé. Et là, tu grandis pas. Et quand tu commences, et ta confiance, cette zone de confort rétrécit, ta confiance en toi va rétrécir avec. Cette zone de confort est une illusion, n'est absolument pas confortable en réalité. Et la vie est bien faite, elle va la rétrécir. Elle va faire en sorte jusqu'à ce que tu bouges. Et pour que tu bouges, tu vas trouver que la vie va te secouer. Ils vont t'arriver des trucs qui te réveillent comme ça. Et parfois, ces réveils sont violents. Très souvent, ils ne sont pas agréables. Mais la vie veut que tu puisses aller dans cet endroit où tu es aligné, où tu expérimentes ce que tu es venu expérimenter ici. C'est cette. Je vais donner un mot sur ça, le paradis. Mais le paradis n'est pas, oh, je suis un petit ange, la vie est rose. C'est pas ça. Tu es un être humain. Nous sommes sur la planète Terre. Le paradis, c'est expérimenter 100% ce que c'est d'être un être humain. Et donc, je reviens à cette mission de vie, hein. Donc, quand cette zone de confort rétrécit et qu'elle va te forcer par tous les moyens de sortir de là, et tu vas aller dans un endroit où tu te connais plus toi-même, les gens autour de toi, ça bouge, les conditions autour de toi, tous les circonstances, tout qui bouge, tout devient complètement instable. On perd pied, on ne sait plus qui on est, et là, on a encore moins d'énergie, et on se trouve parfois vraiment, si on a cette habitude, construit cette habitude d'être une victime, on va se dire à l'aide! Et si cette aide était à l'intérieur? Si on pouvait pour un instant arrêter tout et fermer les yeux et juste être là avec soi-même et dire ok, dans les religions tu vas apprendre à prier beaucoup de sagesse se trouve dans les religions. Moi je suis pas, je suis, comment dire, je suis pas
pour le fait d'adhérer à une seule religion. Si tu es heureuse avec ça, c'est magnifique. Mais il y a beaucoup de sagesse dans les religions, beaucoup de pratiques. Tu peux trouver dans les religions les mêmes pratiques, mais une chose qui est plus ou moins dans toutes les religions, c'est ce recueillement, méditation, prière, mantra. Tu vois, tu vas trouver ça partout, parce que ça, c'est important. Ça, c'est important quand tu peux aller à l'intérieur. Comme on a dit hier, construire ta confiance, un de ces piliers était ça, de pouvoir aller à l'intérieur. Et alors, dans le silence, accueillir, t'ouvrir et dire les réponses, je peux me faire confiance, je les ai en fait. Ils vont, ils viennent. La vie va me présenter les choses, les synchronicités vont arriver. Et quand tu es dans un endroit avec des synchronicités, parce que tu as ouvert la porte à ça, à ce moment-là, tu es déjà très proche de vivre ta mission de vie. Parce que cette mission de vie, et comme je ne veux pas être trop longue, je vais faire un raccourci ici. Si tu te poses quelle est ma mission de vie, est-ce que tu crois que tu vas la trouver si tu es assis dans ton fauteuil et tu attends? Non. Tu vas trouver cette mission de vie parce que, comment je vais dire, la mission de vie, c'est quelque chose que tu vis tous les jours. T'essayes par tous les moyens. C'est peut-être un hobby, c'est une pensée, c'est quelque chose que tu sais, que tu aimes faire, ou quelque chose que tu as fait quand tu étais enfant. Quelque part, il y a des petites gouttes comme ça. Des petites gouttes de bonheur, des petites gouttes de légèreté, des petites gouttes de créativité, de magie. Capte ces gouttes parce qu'ils tiennent la saveur de ta mission de vie. Et une fois que tu rassembles ça, c'est comme une sorte de clarté qui s'installe, quelque chose qui dit ah, je me sens bien quand je fais ça, j'ai envie de faire ça. Et là après tu vas tout de suite avoir la peur, mais est-ce que je peux vivre de ça, est-ce que je peux faire ça tout le temps? Non, je crois que non, je vais donc avoir un job où je passe 40 heures de ma vie par semaine ou plus à travailler dans le job juste pour gagner de l'argent. L'argent est une énergie, c'est une autre discussion. Mais quand tu dis, c'est là que j'ai envie d'être, c'est là que j'ai envie de faire. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un. Donc, tu peux aussi, je peux mettre le lien ici. Je ouvre les portes la semaine prochaine pour toutes les personnes qui veulent prendre un rendez-vous avec moi, ce que j'appelle le rendez-vous avec ton potentiel. Là, on va pouvoir voir, travailler sur cette mission de vie, voir où tu en es et ce qu'il y a lieu de faire pour que tu puisses vivre et en vivre. Et donc j'ai parlé avec une personne qui m'a dit, qui était là, je lui ai demandé qu'est-ce que tu aimes faire? Elle a dit j'aime faire des cadeaux. J'aime faire des cadeaux à tout le monde. Et on a travaillé un peu dessus, sur le fait de se rendre compte qu'elle faisait ça à tout le monde, mais pas à soi-même. Tu ne peux pas donner quand tu es capable, quand tu n'es pas capable de recevoir. À un moment donné, tu dois avoir une source. Sinon, tu vas te vider. Effectivement, elle se sentait complètement vidée, même trahie, parce qu'elle avait tellement donné. Et elle a attendu de retour. Et dans cette mission de vie, dans cet endroit où tu as trouvé, ok, j'aime bien faire ça, je pense que je suis douée, ou je me rends compte que je suis douée pour ça. Note donc un exercice que tu fais ici. Prends une feuille et note peut-être tous les jours ou tout ce que tu te rappelles, ce que tu sais bien faire et ce que tu aimes faire. Et teste. Et ça peut changer dans une vie. Et ça peut aussi, comme moi et comme beaucoup ici dans le groupe, qui sont multipassionnés, qui ont multipotentiel et qui ont aussi 36 000 diplômes, des expériences dans tous les domaines. À ce moment-là, ça devient comme ah, oh, je ne sais pas quelle est ma mission de vie, il y a tout qui m'intéresse. Oui ou non? C'est aussi compliqué ça. Il y en a qui vont dire j'aime rien, je ne sais rien faire. C'est le moment de commencer. On en a parlé hier de comment te créer des habitudes. On en a parlé aussi mercredi. Super important. Si tu es dans ce cas où tu dis moi, je vois pas, j'aime rien. Ça, c'est sûr que ce n'est pas vrai ça. Note toutes les choses que tu aimes. Va dans ton enfance, avant l'âge de 10 ans, et regarde ce que tu adorais faire. Demande à tes amis, envoie un truc et demande à tes amis si tu avais besoin d'aide pour quelque chose. Ouais. C'est quand que tu viendras me demander à moi un conseil, avec
quelle chose viendrais-tu à moi? Tu as fait un sondage comme ça. Et note dans ta vie ce que tu aimes faire, ce que tu sais bien faire. Et puis, si tout ça ne te satisfait pas, fais quelque chose de nouveau. Commence quelque chose de nouveau. Rien que pour créer la confiance en toi, pour créer un rituel, mais va explorer. Parce que ce n'est pas comme si, boum, je suis née avec une... Bah, il y en a qui sont nés, boum, avec une mission de vie. Je connais les gens. Je connais quelqu'un qui, à l'âge de 6 ans, 3 ans, 3 ans, il savait un phénomène. Tu vois, Mozart, par exemple, ou Jésus, sont tombés dedans, dans la soupe, comme Obélix. Mais toi et moi, peut-être pas. Et donc, explore. Explore. Là, c'est chaud. Là, c'est froid. Là, j'aime. Là, j'aime pas. Mais fais quelque chose. Reste pas là en train de tourner les pouces. Et puis, demande à l'univers, dans le silence, de recevoir les signes. Pratique ça. Donc, ça, c'est comment tu fais pour connaître ta mission de vie. Si tu as des questions à ce propos, tu peux me les poser et on peut, si tu prends un rendez-vous, explorer ça en individuel. Maintenant, si tu sais déjà ce que tu aimes faire, si tu te fixes des buts, comme j'ai expliqué hier, mission de vie, fixer des buts au début, si tu ne connais pas, tu n'as pas de clarté, tu te fixes des buts et tu les atteins. Même si c'est le mauvais but, n'aie pas peur. Tu vas pouvoir changer de décision, changer de direction. Tout est bien. Il y a pas de peur à avoir que tu vas te perdre. Tous les chemins mènent à Rome. Ouais, tous les chemins mènent au même point à la fin. Donc tu ne peux pas te perdre. N'aie pas peur de ça. Sache que tu es là où tu es censé être maintenant. Et tout est bien. Peut être un mantra. Tu peux te le dire même si tu ne le crois pas. Donc une fois que tu as ça maintenant, tu sais ce que tu aimes. Tu te fixes des buts où tu sais que tu as une mission de vie, où tu as déjà une vision. On va pouvoir travailler aussi sur cette vision dans le rendez-vous individuel si tu veux. Je ne peux pas donner ici tous les webinaires que j'ai donnés en 6 ans. Je pourrais donner tout un webinaire sur la vision. Mais après, qu'est-ce que j'en fais, Goudron? Maintenant, je sais ce que je veux faire. Hier, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, Goudron, je suis tout au début, j'ai aucune idée de marketing ou visibilité, ou je sais pas moi, peut-être personne ne voudra ce que je fais, peut-être je ne sers à rien. Non. Si tu as un don et tu as cette envie de l'offrir au monde maintenant, tu sais, aucun don a plus de valeur qu'un autre. Peut-être ton don est de parler avec les arbres, parler avec, je connais quelqu'un comme ça, parler avec les écureuils. Fais-le. À un moment donné, va venir à toi quelque chose où tu vas te dire, ah, tu vois, je connais quelqu'un. Son don, c'est parler aux écureuils. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? C'est magnifique, hein? Elle donne des cours à tous les gens qui ont envie d'apprendre à communiquer avec les animaux. Mais c'est pas au départ venu comme ça. Elle a juste aimé. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait aller dans la forêt, appeler les écureuils. Tu vois, donc, ne mets pas des barrières dans ta tête. Quand tu vois quelque chose, tu dis, oh, ça, c'est pas une mission de vie. C'est pas toi qui décides ça. Ça, tu reçois quand tu ouvres. Donc, comment en vivre? Ça, on va voir demain. Demain, je te donne à 10 h du matin un mini cours. Ou ah, non, ça va être carrément une. Je partage mon plan de visibilité. Comment je fais? Comment ça se fait que toi, tu te trouves ici, que tu m'as trouvé? Ben, c'est pas parce, arrivé parce que je tournais mes pouces et je suis assise dans mon fauteuil. Non, j'ai fait quelque chose pour que toi, tu puisses être ici maintenant. Donc, ça, on va voir ça demain. Ce qui se passe, c'est que quand tu as ce don, un don est un cadeau. Va venir ce moment où tu vas accepter le cadeau. Et comment est-ce que tu acceptes le cadeau divin? C'est quand tu sens que quelqu'un peut te faire un cadeau divin et que toi tu... Oui, toi tu reçois ce cadeau. Beaucoup ne savent pas recevoir ça parce qu'elles ne se croient pas à la hauteur, ne se croient pas valables. Jamais de ma vie, je vais recevoir un cadeau divin. Est-ce que tu te dis des choses comme ça? Eh ben, non. Si tu es un être humain, tu as déjà reçu l'incroyable, le meilleur des cadeaux, la vie. Donc, il y a déjà quelque chose de très, très, très particulier chez toi, de très, très, très valable chez toi.
Et tu es venu au monde avec un don, avec quelque chose qui te fait briller, quelque chose qui te fait rayonner. C'est garanti. Comment est-ce que je vais accepter ce cadeau? Ça, c'est important. Je dois à un moment donné m'arrêter et me dire, wow, je dois le recevoir. Ça, c'est un moment de extase comme ça. Je vais appeler ça comme ça. Ça fait durer une seconde. Moi, je l'ai eu dans la douche pour dire qu'il n'y a pas d'endroit. Ça m'a vraiment. C'est tombé dessus. Tout d'un coup, je me dis, wow. Extraordinaire. C'était. J'avais eu une vision, c'est venu 3 ans après ça. Parce que j'ai eu cette vision, je me dis, ça vaut rien. Tu vois? Donc il y a ce processus à faire. Et une fois que tu reçois ce. Tu acceptes ce don. Tu te rends compte, oui, tu as le choix d'en prendre la responsabilité. De dire, Dieu, les anges, la vie, l'univers, mets le mot dessus. Merci. Merci. Avec ce don que j'ai reçu, je vais faire quelque chose dans ce monde. Je vais porter. Je vais améliorer ou je vais. Oui, je vais faire quelque chose parce que ça dépend ce que c'est chez toi. Hein. Je vais aller dehors chaque jour, utiliser ce don et je vais transformer ma vie et la vie des autres, peut-être, ou la vie des animaux, la nature. Oui, c'est une responsabilité que tu prends et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. À ce moment-là, cette décision est prise, tu t'es engagé vis-à-vis de toi-même, mais quelque part en gratitude envers le don incroyable que tu as reçu. Voilà. Et donc là, une fois que ça se fait comme processus, ta vie, elle change de tout au tout. Tu peux encore retourner dans cet endroit où tu te dis non, moi, je suis une victime. Ah non, moi, je sais pas le faire. Jamais je vais y arriver. Succès, c'est pas pour moi. Je suis nulle. Tu peux retourner dans ces blablas dans la tête. Mais tu connais cet endroit maintenant. Tu sais que tu as accepté le don. Tu sais que tu en as pris la responsabilité. Et tu sais que tu perds ton temps à te raconter que tu es nulle. Tu rentres dans une autre dynamique de vie. Une dynamique de vie où ton cœur se remplit de bonheur, où tu débordes de quelque chose et que tu peux partager. Et ça, c'est le cercle vertueux. Quand on est dans un cercle vicieux, on diminue son énergie, on continue à chercher, on se sent perdu, blabla, toutes ces choses, et on peut rester toute une vie là-dedans. Mais avec le temps, avec l'âge, ce toc-toc de l'intérieur, il devient chez tout le monde plus important. Tu vois, regarde les êtres humains autour de toi et tu vas le voir. Il y en a qui abrutissent de plus en plus en plus cet appel de l'intérieur. Ils vont boire, ils vont fumer, ils vont devenir accros à quelque chose, ils vont regarder la télévision à longueur de journée. Ils vont jouer, ils vont. Ah. Ouais, et ils vont souffrir en fait. C'est parce qu'ils vont mettre la tête dans le sable. Ils vont souffrir, ils vont devenir malades, vieux et malades. Ils vont plus pouvoir se regarder dans le miroir et se trouver beau ou belle. Ouais. Ou tu en as les autres qui deviennent de plus en plus vivants, quelque part, de plus en plus pleins de gratitude pour la vie. Et c'est là que je pense que nous voulons tous être. Donc si je peux t'aider avec ça, si tu me laisses t'aider avec ça, à ce moment-là, nous pouvons faire des grandes choses. Parce que chaque porteuse de lumière ici pour moi. Si tu es là, c'est que tu as envie d'être sur ce chemin. Et donc, ta mission de vie, la clarté de ce que c'est, elle vient de un feeling à l'intérieur, d'un savoir. À un moment donné, tu sais. Et ça n'a peut-être pas encore de forme précise. Tu es actrice dans le fait de donner une forme à ça. Ouais, c'est ton privilège, ça. Et pour ce privilège, il faut du courage.
Et le courage, il faut le chercher quelque part à l'intérieur de toi. Et hier, dans le webinaire, je t'ai donné 5 piliers, comment construire ta confiance et peu à peu trouver le courage. Ça, c'est l'ingrédient nécessaire. Si tu as très peu de courage pour le moment, mais que tu veux changer, tu veux t'en sortir, regarde ce webinaire hier avec les 5 piliers où j'explique comment tu fais pour faire grandir, pour construire. Comment tu fais? Je te donne un exemple et puis je vais clôturer ça ici. Et si tu as des questions, tu les poses s'il te plaît dans les commentaires pour que je puisse y répondre. En tant que professeur de danse, je pourrais très bien me mettre ici et devant mes élèves et leur faire un truc, tu sais, que tellement compliqué. Tu as peut-être déjà été un cours comme ça, tu vois la prof, elle part comme ça dans un délire, dans un truc magnifique. Mais tu ne sais pas suivre du tout, du tout, du tout. Tu as deux pieds et tu as l'impression que tu es à 1000 pattes, tu trouves déjà pas trier tes pieds, tu vois. Eh bien, ça fonctionne parfaitement pareil dans l'apprentissage intérieur, dans cette construction de la confiance en soi. Moi, évidemment, en tant que professeur et coach somatique, je sais par quoi toi tu dois commencer, parce que je le vois, j'ai un don de voir chez les personnes avec qui je travaille où ils sont, je le vois, je ne sais pas t'expliquer ça, mais où ils sont et quel est le prochain pas. Soi-même, souvent, on n'a aucune idée, tu vois, on se compare. Et donc, si moi, en tant que professeur de danse, je fais ça, je te donne boum, et tu vas sortir de la salle de danse, tu ne vas jamais plus revenir. Et tu vas en plus être tellement frustré à mort que tu ne vas plus jamais vouloir faire cette danse. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas vrai pour toi? Tu comprends? C'est la même chose. Donc, si avec la confiance en soi, tu te dis, « Ah, mais je vais regarder, je sais pas moi, quelqu'un qui est un acteur ou quelqu'un qui a une super confiance en soi, je veux être comme elle. Ouais, je vais faire comme elle. » Non, tu te compares à quelqu'un qui a construit ça il y a 20 ans, hein, et tous les jours, et toi, tu commences peut-être à quelque part en bas. Tu ne te compares pas, laisse-toi inspirer, tirer vers le haut et te dire, un jour, je serai comme ça. Mais en attendant, comprends que ça se construit avec la base, les 5 piliers de la confiance en soi, pour construire cette base, puis prendre des actions en fonction de ça, des petites actions. Hier, je disais ça dans un webinaire. Quelqu'un qui m'a demandé, Gudrun, par exemple, je veux faire la cohérence cardiaque, je me dis, oh, tous les jours, je vais faire 2 fois par jour, et après le 3e jour, j'arrête. Mais tu t'es mis un but trop haut. Mets-toi un but, dis-toi, je le fais 1 fois par semaine. Mais assure-toi à ce moment-là que tu le fais vraiment, parce que tu dois, et je retourne dans tout ce que j'ai dit hier, donc bah, écoutez ça, tu dois pouvoir apprendre à te faire confiance, c'est la première chose. Vraiment. Et ça se construit. Et ça peut se faire avec des actions bien précises, pas compliquées, mais juste tu dois les connaître. Comme toujours, j'ai dit toujours, nous sommes des femmes magiques. Tu es une femme magique et le monde a besoin de nous. Le monde, il va comme il va, apparemment vraiment pas trop bien. Et il a besoin de nous. Et toi, tu as ton rôle à jouer. Et sur ce chemin, pour être sûr, aligné dans ta mission de vie, sur ton chemin de vie, il y a tant de choses à explorer et à apprendre. Et ça peut être facile, ça peut être léger, ça n'a pas besoin d'être compliqué ni lourd. Et ça, avec ça, je peux évidemment, et avec mon grand plaisir et mon honneur, t'aider si tu as envie. Donc, je vais mettre ce lien pour les rendez-vous, si tu veux prendre un rendez-vous. Mais on fait ça seulement la semaine prochaine et je vais donner absolument priorité aux personnes qui ont suivi la semaine magique. Parce qu'à ce moment-là, tu viens chez moi et tu as déjà fait du chemin. Tu as déjà une compréhension de certaines choses. C'est important. Demain, nous... Donc, ce soir. Alors, important. Je ne sais pas combien de temps je parle déjà ici. Je voulais que ce soit pas trop long. Ah, je vois qu'il y a 4 personnes qui me regardent, mais je ne vois pas du tout qui c'est. Et je ne vois pas non plus de tri, ça. Je ne vois pas de commentaires. Je les regarderai après. Ce soir,
nous allons à 18h danser La Femme Sauvage. Qu'est-ce qui va se passer? Alors ça, c'est mon truc, tu sais ça. Quand je donne mes cours Danse ta vie, je ne prépare rien et ça vient. Des exercices de ouf, des trucs que même moi, je suis étonnée. Et l'archétype de la femme sauvage, j'ai choisi cet archétype-là. Parce que comme je viens de parler du courage, tu as besoin de ton courage. Et c'est cet archétype de la femme sauvage qui est en toi et que nous allons activer pour que tu deviennes, comment on dit ça en français, unstoppable, on ne sait plus t'arrêter. Ouais, tu vas sentir et on augmente les vibrations ici dans le challenge. D'ailleurs, aujourd'hui, le challenge, ça va être ce cours et là, je vais te montrer comment tu fais ça avec l'énergie sauvage. Et ça, c'est puissant. Et une fois que tu connais cet exercice, si tu actives cette femme sauvage, cet archétype à l'intérieur, oui, on ne sait plus t'arrêter. Et cette mission de vie va venir à toi si toi, tu ne dois pas venir à elle. Et c'est de toute façon comme ça que ça fonctionne. Donc, si tu n'as pas encore la clarté, viens à ce cours ce soir, 18h. 45 minutes? On se donne 45 minutes. Ça va, tu vas voir, hein, c'est super court ça. Mais on a une super musique. Et ouais, prépare-toi, ça va être intense. Si tu ne sais pas, je sais pas, bouger parce que ton corps, assieds-toi. Et bouge avec nous en pensée. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Si tu as des questions, tu peux me les poser. Et je me réjouis beaucoup de te voir ce soir à 18h et demain à 10h. Le plan de visibilité, ça c'est l'élément qui te manque, qui est entre toi avec ta mission de vie et le monde. C'est ce point de connexion dont tu as besoin. Et là, demain, je partage tout ça. Super intéressant, super important. Sois là. Merci d'être là et on se voit bientôt. Ciao, ciao.